La confection de la tanka se poursuit, comme vous pouvez le constater. Elle est quasiment terminée. Elle est terminée, même vous allez voir sur la vidéo. Il manque juste le rajout donc du brocart. Ensuite, ce brocart va être replié sur la tanka, ça va être roulé, entubé et ça va être donc envoyé au Ladakh par camion. D'ici un mois à peu près. Comme vous pouvez le constater, il travaille sur une grande terrasse. Il manque toujours des fonds pour ce projet, donc vous pouvez toujours y participer et accumuler d'immenses mérites. On sait que l'accumulation de mérites et de sagesse conjointement mène à la redécouverte de la nature essentielle de son esprit. Cette nature qui est déjà présente en nous, mais tellement voilée que nous sommes obligés de purifier et donc par le biais d'accumulation de mérites comme le fait de participer à des projets du dharma et ainsi que l'accumulation de sagesse par la méditation et autres. Cette tanka donc sera déroulée une à deux fois maximum par an au monastère du très vénérable Drupadharma Rinpoche. Et donc, ça sera vraiment une belle occasion chaque année pour les participants qui vont, en voyant cette tanka et en participant au déroulement, à cette cérémonie en quelque sorte, eh bien, ces personnes vont également obtenir de grandes bénédictions et donc accumuler également des mérites. Et cette tanka, en fait, va perdurer dans le temps pendant des centaines et des centaines d'années. Donc c'est vraiment merveilleux. Merci à Rinpoche pour ces magnifiques projets. Voilà, la tanka est terminée comme vous pouvez le constater. Donc il manque juste le brocart à ajouter autour. Ensuite, Rinpoche a fait fabriquer 8 bols d'offrandes de ce type, hein, donc ils sont en fabrication, qui vont avoir un diamètre de 50 cm pour justement qui sera des bols adaptés à cette tanka. Ensuite, il a acheté des guélings hein, pour le monastère. Il fait également confectionner 50 chapeaux de Ratnashri.